Shout of joy. Shout of joy. Shout of joy. Jesus. Avec les cris de triomphe, with shouts of triumph, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, merci. Merci. Si on t'a promis la prière, soit parce que tu voyages durant dans ta nation. If they promised you that they will pray for you because you are traveling abroad, not those who are from up country, those who are traveling abroad. Est-ce que Deborah est là? Is Sister Deborah around? Gloire à Dieu. Je suis la sœur Deborah Djega. Je suis bâtie par le pasteur Loès Olivier et la sœur Nina Nguessan. J'habite à Casablanca, Maroc. Cette sœur a un témoignage très édifiant. This sister has a very edifying testimony. Je viens de lui demander si elle peut rendre ça pour la gloire de Jésus. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. I've just asked her if she can give that testimony for the glory of Jesus because elle a accepté. She was not expecting that and she accepted. Offrande d'acclamation à Jésus. Offering to Jesus. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. C'était lors des renversements. Nous allons enlever la traduction pour que ça aille un peu vite. C'était lors des renversements de principauté. Et je voulais vraiment être là, ici, en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais déjà pris mon billet depuis le 25. Le 25 août, mais le Seigneur a conduit les choses autrement. Donc, mon voyage a été reporté. Mais il faut dire que j'ai fait le jeûne, j'étais dans le jeûne. Tout le temps, j'étais dans le jeûne. Et le premier jour, le Seigneur va se manifester. D'abord, le premier jour, je n'ai pas commencé avec le jeûne. C'était le deuxième jour. Mais là, comme au niveau du Maroc, notre missionnaire nous avait déjà préparé à renverser les idoles au niveau de nos cœurs et tout ça. Donc, j'ai prié seulement avec les synthèses que le pasteur Loès m'envoyait souvent. Et le premier jour, le pasteur Boniface Meunier a conduit la prière, il a parlé des eaux, les cours d'eau, de sécher les cours d'eau et tout ça. Et moi, mes parents dans mon village, ils adorent l'eau. Mais c'était un petit marigot avec des poissons et tout ça, des kaolins. Mais quand les femmes vont prendre de l'eau, quand il y a le poisson qui rentre dans la cuvette, elles remettent le poisson dans l'eau, elles prennent seulement l'eau et elles partent. Et elle disait que c'était des personnes, les poissons c'était des personnes. Donc on ne devait pas manger les poissons. Et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ce marigot a tari, non, n'acclamez pas, je vous explique. Le marigot a tari depuis, et moi quand je fais des songes, je suis toujours dans l'eau. Ça peut être la mer, en tout cas toujours je voyais de l'eau. Et j'ai expliqué au pasteur Loès, il me dit, toi tu vois le marigot, mais c'est un océan. Et lors des renversements des principautés, je vais aller vite, j'ai fait un songe où la mer était en train de me poursuivre. La mer était au-dessus de moi et je courais, la mer me poursuivait. Ça, c'était le premier songe que j'avais fait. Et je me suis réveillée en sursaut, j'avais rien compris. Et pendant que la mer me poursuivait, je suis arrivée à un endroit où il y avait les moutons. Et je me suis cachée derrière les moutons. Les moutons ont fait un sec comme ça. Je me suis cachée derrière les moutons. Et
la messe était suspendue au-dessus de moi. Et je me suis réveillée, j'ai appelé le pasteur Loès et je lui ai expliqué. Il m'a dit, il faut prier, le Seigneur au contrôle. Mais j'ai prié, j'ai cherché Dieu, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? J'étais là, je demandais au Seigneur. Et entre midi et deux, je me suis endormie et j'ai fait encore un songe. Et dans le songe, le Seigneur pouvait m'emmener ici en Côte d'Ivoire. Je peux dire que ça fait plus de 9 ans, il y a longtemps. Quand j'étais ici, je ne partais pas à l'église, je suis allée au bord de la mer à Port-Boué. Et j'étais assise dans le sable, j'ai ramassé une chaîne, une longue chaîne. Elle brillait comme ça, une chaîne même, je peux dire une chaîne en or, que j'ai ramenée même au Maroc avec moi. Je la mettais au rein et dans le cou. Je n'étais pas inquiétée, je me disais que bon, j'ai ramassé quelque chose de bien. Donc le Seigneur m'a ramené cette image-là. Il m'a ramené ça, je me voyais en train de ramasser la chaîne. Et après, le songe est passé. Donc, j'ai compris que peut-être, c'est certainement l'esprit des eaux qui était en train de me poursuivre pour réclamer la chaîne. Donc, j'ai appelé encore le pasteur Loès. Il dit, tu te sépares de la chaîne avec le propriétaire de la chaîne. Il dit, mais je ne connais pas le propriétaire. Il dit, c'est pas toi seulement. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment prié. Et avec les prières du pasteur, le pasteur a commandé que les eaux tarissent, les cours d'eau, les fleuves et tout ça. J'ai prié vraiment de tout mon cœur. Le Seigneur a fait beaucoup de choses que je ne peux pas dire maintenant. Et je vais m'endormir, je vais faire encore un autre songe. Et le Seigneur pouvait m'amener au bord de la mer. Et là, j'ai vu une femme, elle était assise même devant la mer. Et moi, j'étais derrière elle. Elle avait une petite pelle à la main. Elle a creusé une fois, deux fois, troisième fois. La mer s'est ouverte. La mer s'est vraiment ouverte. J'ai vu un gros trou noir et il y avait des couples qui sortaient. Des couples, monsieur, madame, la femme en robe de mariée, le monsieur en costume, ils se sont tenus. En tout cas, c'est... Le rang était tellement long et ça sortait. J'étais là, je regardais comme ça. Ça sortait. Ça, c'était le premier jour du renversement des principautés. Et après, ça ne s'est pas arrêté là. Le deuxième jour, le Seigneur va encore me montrer la même scène devant la mer. Mais là, la mer avait disparu. Le pasteur avait commandé dans les prières, dans les synthèses, que la mer sèche, que la mer disparaisse. Donc je me suis rendue encore, je me suis retrouvée devant la mer, mais la mer n'était plus là. Je regardais, dans mon esprit, je savais qu'il y avait la mer ici. Et je cherchais, je dis, mais il y avait la mer ici. La mer avait tari, il n'y avait pas d'eau, c'était comme si les gens avaient remblé pour construire soit des maisons ou bien faire une route. Mais la mer avait séché, il n'y avait pas la mer. Et j'ai dit, j'ai rendu gloire à Dieu. Mais il faut dire que, après ça, je continue à prier jusqu'à le 27 ou le 28e jour. Je priais avec les synthèses toujours que mon pasteur m'envoyait. Tout ce côté-là, ça me faisait toujours mal. Je sentais comme une lourdeur, comme si j'allais être paralysée du côté gauche. Et chaque fois, j'avais ce mal-là. Et dans mon dos, chaque 2 à 3 mois, je sentais comme si on me poignardait dans mon dos. Frère, on ne m'a jamais dit que ma mère était gravement malade. Ma mère a trébuché, elle s'est fait mal à la cheville. On m'a dit, j'ai fait ce qu'un enfant devait faire pour son parent qui est malade. Et après, mon frère m'a rapporté que ça allait. Donc, je n'étais pas inquiétée. Et puis, bon, pour moi, j'allais venir ici pour faire aussi les renversements des principautés.
jusqu'à ce que ça finisse. J'étais découragée, j'ai partagé avec le pasteur. Il dit, rends seulement gloire à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, ok, donc je vais être au camp biblique. Et je vous assure, chaque fois, la douleur que ma mère avait dans la cheville, je ressentais là-bas la même douleur. Je ne comprenais pas. La même douleur, elle était atroce. Et la synthèse du 27 au 28e jour que le pasteur m'a envoyé, je disais, mais Seigneur, chaque fois je prie, mais j'ai les mêmes douleurs, je ne comprends pas. Il faut que vraiment tu fasses quelque chose. Et le pasteur pouvait dire, d'un commun accord avec les frères à Tiekwa, qu'on devait prier pour toutes sortes de résistances. Donc j'ai commencé à prier. Et ce jour-là, j'étais dans le jeûne jusqu'à 21h, 22h, parce que là-bas, les heures ne sont pas pareilles. Donc, il faut finir de travailler tout et après continuer les prières avec les frères. Mais ce jour-là, je me rappelle que je suis restée dans ma chambre. Je suis restée là de 22h à prier jusqu'à 6h du matin. Et j'ai senti comme un froid. Le froid n'était pas comme le froid habituel. Jusqu'à dans mes os, je sentais un froid bizarre. D'abord, avant ça, j'ai fait un songe où c'est comme cette main-là. Il y avait des asticots qui sortaient de cette main-là. Le Seigneur m'avait montré que je voyais les asticots, mais les asticots, là, ce n'est pas les asticots qui ont la même taille que les asticots qu'on a l'habitude de voir. Et je tapais ma main, et je tapais. Après, je vois comme un gant. Comme quand les gens meurent, on leur porte les gants. Donc j'ai arraché le gant et je tapais, les asticots sortaient de ma main. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je suis vivante et il y a les asticots qui sortent de ma main et tout. Il dit, Seigneur, franchement. Et donc je voulais voir jusqu'à où cette histoire allait se terminer. Et je continuais, je me suis endormie. Le Seigneur pouvait me montrer dans mon dos. C'est comme on me zoomait quelque chose jusqu'à devant mes yeux. Il y avait trois boutons. J'ai vu une main, comme je vous vois, j'ai vu une main qui a appuyé d'abord le premier bouton, qui a enlevé la moitié d'une lame dans mon dos. Après, un demi-couteau, la lame était en scie. Après, un long couteau. J'ai dit, mais mon Dieu. Donc, c'est ce qui faisait que chaque 3 à 2 mois, c'est comme on me poignardait. Je ressentais la douleur vivement. Et ce que je ressentais ici a commencé à partir. C'était devenu comme des crampes. Donc, le matin, je me suis réveillée. J'ai rendu grâce à Dieu. Et moi, le 9, je suis allée prendre mon vol pour arriver ici. J'avais fini mon enregistrement et tout. J'étais même, je peux dire, dans la salle d'embarquement. Et mon frère m'appelle, c'est-à-dire le pasteur Meda Djega. Il m'appelle, il dit, les nouvelles ne sont pas bonnes. Que notre mère vient de mourir. Je dis, mais comment ça? Je ne peux pas me retourner, je ne peux pas, je suis là. J'ai dit, ok. Et je suis venue tomber dans la nouvelle. Je veux bénir le Seigneur. Parce que quand je suis arrivée ici, je suis allée saluer papa. Et je lui ai expliqué. J'ai dit, je veux vraiment faire aussi mes brisements de liens. Et pendant mes brisements de liens, il s'est trouvé que c'est ma mère qui me possédait. J'ai pleuré devant les frères qui me conduisaient au brisement de liens. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Je suis sa seule fille. Elle ne peut pas me posséder. Ce n'est pas possible. Elle dit, mais c'est toi qui vois comme ça. Mais la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Donc, je veux rendre gloire à Dieu pour son amour qu'il a eu pour moi. Pendant que je priais, quand je disais que je ressentais un froid, pendant que je priais, j'ai entendu dans mon étini une voix qui me disait entre 4 et 5 heures du matin, dans mon ethnie qui m'appelait, Déborah, je te laisse ta vie, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je te laisse, je te laisse, je m'en vais, je te laisse. Je vous assure que je n'avais pas compris, je sentais, la voix ressemblait à la voix de ma mère.
Mais je ne comprenais pas pourquoi j'entendais cette voix. Mais c'est quand on m'a appelé pour me dire qu'elle est décédée que j'ai dit, ah, donc, merci Seigneur. Et le mal a complètement disparu. La douleur au niveau de la cheville, ça veut dire qu'elle, elle avait le mal de cheville ici et moi, je ressentais la même douleur. Je me rappelle qu'une année aussi, elle avait mal à la hanche et c'est moi qui ressentais les mêmes douleurs pendant que je lui envoie mon agent pour la soigner. Je bénis le nom du Seigneur. Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Tant ta main bénit là, son voyage retour. Raise her hand and bless her. Let us pray together. Protégeons tout l'héritage, tous les acquis, toute la guérison, toute la richesse, le mariage arraché à Satan, tout ce qu'on t'a pris. Nous te redonnons tout et nous libérons tout et nous amenons tout à l'existence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? On allait dire un jour que c'est le cancer. C'est une lame coupée, un demi-couteau. Jésus est puissant, mes amis. They would have said one day that it is cancer, though it is a blade and a half knife. Jesus is mighty, my friend. Un esprit humain peut habiter dans un corps. Voilà. Depuis qu'elle est sortie, elle est guérie. C'est fini. A human spirit can dwell in a body, can live in a body. Here is an example. Since she went out, sa mère était là. Her mother was there. Jusqu'au Maroc. Even up to Morocco. Ce sont des choses que Dieu a cachées aux sages. These are things that God has hidden to the wise. Il les a révélées aux petits enfants. And has revealed them to the little children. Là où elle est là, on ne peut plus la tromper. There she is, no one can deceive her. Elle anymore. A vécu sa délivrance. She has experienced, lived her deliverance. Ce n'est pas quelque chose qu'on va lui dire qu'un prophète avait prié pour toi. Elle a coopéré avec l'église. She cooperated with the church. Elle a vu le résultat. And she got the result. Coopère aussi avec l'église. Cooperate with the church. Et entre dans ton héritage. And get into your inheritance. Quelqu'un lise pour nous Malachie 3 versets 7 à 11. Someone reads for us Malachi 3 reading from verse 7 to 11. Il faut titrer ça le réveil dans le don à Dieu. And you have to entitle it revival in a gift to God. Allons-y. Let's go. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings.
You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruit, says the Almighty, the Lord Almighty. Amen. Il y a plusieurs manières de travailler le réveil spirituel. There are many ways of working on spiritual revival. La première chose, comme nous venons de lire, c'est de se débarrasser du péché. The first thing, as you have just read, is to get rid of sin. La présence du péché tue le réveil spirituel. The presence of sin kills a spiritual progress. Et comme nous avons toujours enseigné, le réveil n'est pas un programme. As we have always taught, revival is not a program. C'est un état spirituel. It's a spiritual state. Caractérisé par la plénitude du Saint-Esprit. Characterized by the fullness of the Holy Spirit. Provoqué par la séparation radicale d'avec le péché. Provoked by radical separation from sin. Quand un individu ou un peuple se bat pour se détacher du péché, when an individual or a group of people fight, struggle to depart from sin, ce peuple ou cet individu crée les conditions de réveil par là-même. That man, that person or that individual, or those group of people create the condition for revival. Donc, le Seigneur avait déjà fait des reproches contre les sacrifices chétifs. So, un culte pauvre. The Lord has already made some reproach, rebukes about sacrifices that is not good. Et il enchaîne par l'appel à restaurer les dons. And it is followed by a call to restore gifts. Donc il y a un rapport direct entre le réveil et la restauration dans les dons à Dieu. So there is a direct connection between Christian life and the restoration in the gifts of to God. Il dit, he says, depuis le temps de vos pères, from the days of your fathers, vous vous êtes écarté de mes ordonnances. You have gone away from my ordinances. Vous ne les avez pas observées. And you have not kept them. Revenez à moi. Return to me. Vous voyez, ils n'ont pas observé les ordonnances. You see, they did not observe ordinances. Et Dieu leur demande de revenir. And God requires them to come back. Ça pouvait s'arrêter là. It could stop there. Mais le réveil ne s'arrête pas là. But revival does not stop there. Il dit, he says, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Will a man rob God? Car vous me trompez. Yet you have robbed me. Et vous dites, and you say, en quoi t'avons-nous trompé? In what way have we robbed you? Dans les dîmes et les offrandes. In tithes and offerings. Vous voyez? You see? La séparation d'avec le péché. Separation from sin. La restauration des dons financiers. And restoration of financial gifts. Ça scelle le réveil. This seals the revival. Tu peux dire, je ne mens plus, je ne vole plus, c'est bien. You can say, I don't steal anymore, it's good. Et les dîmes et les offrandes. How about the tithes and the offerings? Il faut aussi les restaurer. You must also restore them. Donc, décrétons une campagne de retour à Dieu, de retour au don à Dieu. Let us decree a campaign of return to the gift to God. Dans ce passage, il dit que la nation entière, c'est-à-dire, ce n'est pas un acte individuel que Dieu demande. In this passage, he said, the entire nation, that is, it is not an individual action required by God. C'est toute l'église qui doit revenir. It's the entire church that should come back. Il dit, he says, verset 9, vous êtes frappé par la malédiction. You are cursed with a curse. Et vous me trompez.
For you have robbed me. La nation toute entière. Even this whole nation. Même si une seule personne restaure ses dons, c'est pas ce que Dieu demande. Even if only one person restores his gifts, this is not what God wants. Même s'il y a 99% des gens qui donnent bien là, ce n'est pas ce que Dieu demande. Even if there is 99% of people who gives well, this Dieu veut 100% de la nation restaurée dans les dons à Dieu. God la wants nation toute entière l'a trompée. La nation toute entière doit être restaurée. God wants the entire nation to give and to be restored. Il y a, ça attire une autre forme de bénédiction. This draws another kind, another form of blessing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Je veux vous dire une chose. I want to tell you one thing. La vision du frère Zach. The vision of Brother Zach. Parce que nous sommes en train de l'étudier. Because we are studying it. Le frère Zach attaquait tous les volets de l'évangile. Brother Zach used to touch all the aspects of the gospel. Il n'y a pas un aspect qu'il a négligé. There is not an aspect that he neglected. Il a prêché contre le péché. He preached against sin. Il a prêché sur la repentance. He preached on repentance. Il a prêché sur la consécration. He preached on consecration. Il a prêché sur la foi. He preached on faith. Il a prêché sur la grâce. He preached on grace. Quand le frère prêche sur le salut par la grâce, là, tout le monde va sourire et danser dans la salle. If he preaches on grace and redemption, everybody will dance. S'il prêche sur la repentance, tu as envie de brûler son livre là. If he preaches on repentance, you feel like burning his book. Il prêche sur l'argent. He preaches on money. Et nous sommes en train de l'imiter. Nous faisons comme lui. And we are imitating him. We are doing like him. Chez nous, ce n'est pas le genre qu'on dit que nous sommes l'évangile de prospérité. Concerning us, it's not the kind that we are the gospel of prosperity. Ou bien nous sommes les experts au renversement des principautés. That we are expert in the overthrowing of principalities. Nous chassons les démons. We cast out demons. Nous renversons les principes. We overthrow principalities. Nous enseignons sur la repentance. We teach on sur la foi. We teach on la faith. Consécration. Consecration. La grâce. Grace. La rédemption. Redemption. Le jugement. And judge. L'enfer, le lac de feu. Hell and the lake of fire. Nous faisons l'effort pour garder tout l'évangile. We make the effort to keep the whole gospel. Ceux qui ne nous connaissent pas pensent qu'on est là seulement, je taille en pièces, on est comme si on ne prêche pas les autres volets de l'évangile. Some may think that we are concerned on I cut into pieces. Nous taillons en pièces. We cut into pieces. Mais nous prêchons qu'il faut donner à Dieu. But we also preach that we should give to God. Jésus Christ. Jesus. Nous taillons en pièces. We cut into pieces. Mais nous disons donc tu ne commettras point d'adultère. Nous disons tu ne commettras point d'adultère. We also say that you shall not commit adultery. Nous taillons en pièces. We cut into pieces. Nous demandons aime ton frère comme toi-même. And we say love your brother as yourself. Dieu sait que notre évangile est complet. God knows that our gospel is total. Tu vas te restaurer. You are going to restore yourself. Si un démon t'a trompé. If a demon has deceived you, pour voler Dieu, to steal God, au nom de Jésus, in the name of Jesus, le chassons de ta vie, cast him out of your life. Tu vas revenir à Dieu. You have to come back to God. Ce sont les démons qui enseignent ces choses-là, frère. It is demons that teach those things, brethren. Un homme qui était fidèle, a man who was faithful, qui devient infidèle, and who becomes unfaithful, ça vient d'où? Where does it come from? Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. You don't know which spirit is in you. Quand tu prends la dîme, tu mets dans la poche. When you take the tithe, you put it in your pocket. Tu te promènes avec. And you wander with it. C'est un esprit qui t'anime. It's a spirit that is in you. Ce n'est pas ton argent. It's not ce qui est à Dieu. That is of God. Doit être donné à Dieu. Should be given to God. On ne se promène pas avec. We don't wander with it. Si tu te promènes avec, c'est la cupidité. If you wander with it, this is greed. Tu vas dimanche, c'est resté dans ta poche. You go Sunday, it is in your pocket.
Tu es venu ici ce mardi, c'est toujours dans ta poche. You came here this Tuesday, still in your pocket. Au nom de Jésus, tu vas déposer avant de rentrer. In the name of Jesus, you will give it before going back. Oui, c'est comme ça que le diable travaille. This is how the devil works. Une sœur avait l'argent dans son sac. A sister had money in her bag. C'était l'argent de Dieu. This was the money of God. Elle se promenait avec. She was wandering with it. Elle se promenait avec. She was wandering with it. Après, quelqu'un est mort dans sa famille. After somebody died in his family. Il a pris 500 000 dedans. She took that money. Pour aller célébrer le deuil. She took part of money to celebrate the funeral. Je suis au courant pourquoi. Why am I aware? Parce que Dieu lui a dit qu'elle a péché. Because God told her that she has sinned. Sinon, qui allait me dire? Otherwise, et c'est elle-même qui est venue se repentir. Who have told me? And she herself came to repent. Si c'était bien, Dieu n'allait pas lui dire que tu as péché. If it was good, God wouldn't have told her that you have sinned. Dieu allait avoir pitié d'elle. God would have had mercy on ça ne fait rien, tu as perdu quelqu'un. It doesn't matter, you have lost. Dieu lui a dit, but God told her, tu as péché. You have sinned. Et elle est venue se repentir. And she came to repent. C'est ça qui est très important. This is what is very important. Dieu n'aura pas pitié de toi. Si tu as bouffé, Dieu ne va pas avoir pitié de toi. If you have eaten it, God will not pity you. Tu vas restituer. You will restitute. Tu vas restituer. You will make the restitution. Il dit, la nation toute entière. He said, the whole nation. Il y a des actions. Si nous voulons que Dieu agisse, il faut amener tout le monde à avoir l'obéissance. There are actions. If you want God to work or act, we should bring everybody into obedience. Que quelqu'un lise pour nous Romains chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Let somebody read for us Romans 1, reading from 1 to 3. Lis rapidement. Read quickly. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Continue. Par qui nous avons reçu... Écoutez très bien. Listen carefully. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom... Pour amener en son nom, nous avons reçu... Nous avons reçu la grâce. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Through whom we received the grace and apostleship. Pour faire quoi? To do what? Pour amener en son nom. Pour amener en son nom. To bring in his name. À l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. To the obedience to faith. Tous les païens. Tous les païens. All the pagans. Parmi lesquels vous êtes aussi. Oui, c'est bon. It's okay. L'évangile là, frère, c'est une affaire sérieuse. It's a serious matter. Tu gagnes deux âmes là, c'est bon, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. You win two souls, it's good, but c'est tous les païens. It's all the nous unbelievers. Avons reçu la grâce et l'apostolat. We have received the grace and apostleship. Pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. To bring to the obedience of faith all the pagans. Tu es dirigeant d'une assemblée. You are leader of the assembly. Une seule personne obéit au message. Only one person obeyed the message. Et tu es content. And you are happy. You jump. Tu n'as pas la vision. You don't have the vision. Tu n'as pas bien lu ta commission. You have not read the commission well. Tu dois amener à l'obéissance toute l'assemblée. You must bring all the assembly to obedience. C'est là ton échantillon des païens. This is your sample of pagan. Nous allons voyager. We are going to travel. La mission de Lombé, c'est que on trouve vendredi la salle pleine en haut, pleine en bas. Je ne veux plus que quand on voyage, on revient, on trouve 200 personnes qui veillent. The mission of Brother Lombé is that when we the hall should be filled. Et quand up je and reviens, down. La salle remplie. When I come, the hall is filled. Si nous arrivons lundi, mardi. If you get here on Monday, Tuesday. Si la salle n'est pas remplie, qu'ils viennent nous rencontrer pour demander pardon avant qu'on entre. If
the room, the hall is not filled, you should come and see us to repent. Si on te confie une assemblée, ne te réjouis pas, tu vois 10 personnes sur 48, tu souris, tu es à l'aise. Attention. If you are given an assembly, do not just rejoice. You see 10 people over 48, beware. Si j'effectue le voyage, je laisse 3000 personnes qui viennent mardi. Je reviens, je trouve 25 personnes. Tu viens m'accueillir en dansant. I travel and leave the church within your hands with 3,000 people and I come back 25 people. Why are you coming to welcome me? Il y a un jeune homme qui s'appelle Fabrice. There's a young man called Fabrice. Pendant la crise post-électorale. During the crisis, the post-electoral crisis. Le Saint-Esprit m'avait dit. The Holy Spirit told me. Impose-lui les mains. Lay your hand upon him. Dis-lui de faire traverser la crise à l'église. C'était là sa direction, son cahier. Tell him to take the church to cross the crisis. Qu'il fasse traverser la crise à l'église. He should make the church cross the crisis. Un seul point dans son cahier de charge. One point in his. Et il a réussi. His book and he succeeded. Il a même risqué la mort. He even risked death. Et il nous a donné l'église. And he gave us the church. Et on l'a envoyé en mission à Séguéla. We sent him into mission in Séguéla. Est-ce qu'il est là? Is he around? Chante le chant que vous avez composé pour résister à la famine. Come and sing the song that you composed in order to resist. On lui a donné une mission, on ne lui a pas montré comment chanter, mais pour atteindre le but, ils ont tout fait. We gave him a mission. Ils sont devenus même des chanteurs. Gave him a mission. We didn't tell him what to do, but for him to succeed, they composed the song. Vous allez comprendre que c'est pas le jeu. You understand that it's not a joke. Ce que je dis là, mes yeux venaient de s'ouvrir. What I'm saying, my eyes had just opened. Il faut une puissance. You need a power pour garder le troupeau là où qu'on t'a donné. To keep the flock where it was given to you. Quand le maître arrive, tu dis que les voici. When the father comes, you tell him, here they are. Chante un peu, les gens vont comprendre que c'est pas le placali. Sing a bit so that people will understand that it's not a joke. Gloire à Dieu. Je ne douterai point de mon Dieu. Je ne dirai plus que c'est faux, car ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Je ne douterai point de mon Dieu. Je ne dirai plus que c'est faux, car ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Quand la viande et le pain me faisaient défaut, le Seigneur Jésus-Christ du ciel apporta la manne, la grenouille, la patate m'ont vraiment fait du bien. La grenouille, la patate m'ont vraiment fait du bien. Tu commentes d'abord ça. Commente ça. Comment this first. Make a comment of this first. En fait, c'était une période où il n'y avait vraiment pas d'argent. Il n'y avait pas l'argent pour acheter la viande. Il n'y avait pas l'argent pour acheter le sac de riz. Parce que les banques avaient fermé et pratiquement tous les fonctionnaires étaient venus de ce côté-ci. Donc, Dieu avait fait en sorte que les mares, les rivières, les marigots de Korogo soient remplis de grenouilles. Alléluia. Jésus-Christ. Donc, nous allions pêcher les grenouilles, on les séchait, on pilait, on faisait la poudre. Et puis on mettait dans les bouteilles là. Et c'était un miracle. On vendait un sac de 50 kilos de patates à 500 francs. La patate avait débordé. Donc quand tu pries
et que Dieu te donne 500 francs, tu achètes un sac de patates. Et puis, tu prépares ça. Et la poudre de grenouille. Oh, c'était merveilleux. Chante maintenant. Et l'autre volet disait, le haricot beurre de karité est vraiment nourrissant. Les jeunes multiples ont vaincu la faim, même sans argent. J'ai vécu heureux, Jésus, merveilleux Dieu. Quel trésor immense, je ne douterai point de mon Dieu. Je ne dirai plus que c'est faux, car ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. Je commente aussi. Le haricot avait aussi débordé. Le peuple Sénoufo est un peuple travailleur. Il y avait beaucoup d'haricots. Avec 75 francs, tu pouvais acheter les grosses boîtes de tomates là. Tu pouvais acheter une grosse boîte d'haricots. Donc, on faisait cuire le haricot. Et puis, comme il n'y avait pas l'argent pour acheter l'huile, les Sénoufo produisent le beurre de karité en quantité. Jésus-Christ. Donc, on faisait fondre le beurre de karité, on le versait sur les haricots, on mettait un peu de poudre de grenouille. Jésus-Christ. Non, si tu veux, le chat, on va le voir. Toute la nation. The entire nation. Restaurée dans le culte. Restored in the service. Restaurée dans les dons. Restored in the gift. Restaurée dans l'adoration. Restored in worship. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. He said, bring in the storehouse all the tithes so that there will be food in my house. Frère, s'il te plaît. Brethren, please. Donne à Dieu ce qui lui revient. Give to God that which is God's. Qu'il n'y ait pas de police derrière toi. We should not force you to do it. Donne comme étant une adoration. Give as an act of service, of worship. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. God says, and try me now in this, says the Lord of hosts. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. If I will not open for you the windows of heaven, si je ne répands pas sur vous and pour la bénédiction en abondance, pour out for you such blessing. Quand on restaure les dons, when you restore the gifts, on crée les conditions pour que Dieu nous bénisse. You create the conditions to God for God to bless us. Dieu dit même, mettez-moi à l'épreuve. God said, try me. Écoutez-moi très bien. Listen carefully. Il y a les gens. There are people. Quand tu essaies de lire ceci, ils disent que ça c'est la loi. When you try to read this, they say this is law. This is oui, the law. C'est la loi. Yeah, this is the law. Mais la loi n'est pas abolie. But the law is not abolished. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jésus a dit. Jesus said. Je ne suis pas venu abolir la loi. I did not come to abolish the law. C'est la loi, c'est quoi? What is the law? C'est la règle morale de vie. Is the moral rule of life. La règle, the rule, du commandement de Dieu, of the commandment of God, qu'il faut observer. That should be observed. Dieu a même promis, God even promised, qu'il allait mettre le Saint-Esprit en chacun, that he will put the Holy Spirit in each one, pour que le Saint-Esprit aide chacun à observer la loi et les ordonnances. So that the Holy Spirit will help each one to observe the law and the ordinances. Si la loi était abolie, if the law was abolished, Dieu n'allait pas envoyer dans nos cœurs le Saint-Esprit pour nous aider à obéir à la loi de Dieu. God wouldn't bring the Holy Spirit in our heart to help us obey the law of God.
Il faut relire la Bible. We read the Bible. La parole de Dieu. The word of God says. Il y a des gens. There are people. Quand ils lisent la Bible, l'Ancien Testament, when they read the Old Covenant, un voile est jeté sur leur cœur. A veil is cast on their heart. Et la parole de Dieu dit, and the word of God says, ce voile ne quitte que that veil, quand on se convertit à Christ. That veil is only removed when we are converted to Christ. Jésus est venu, Jesus came, montrer aux êtres humains to show human beings comment observer la loi de Dieu, how to observe the law of God, sans un mélange avec les traditions humaines, without a mixture with the human tradition. C'est pour cette raison que quand Jésus révise la loi, that's why when Jesus revises or reviews the law, il enlève les choses comme les fêtes, les cérémonies et les sabbats. He removes things like Sabbath, feasts and ceremonies. Parce qu'à un certain moment, because at a certain time, les gens ne savaient même plus pourquoi le sabbat avait été institué. People did not even know why Sabbath was instituted. Le sabbat était un signe pour le peuple d'Israël. The Sabbath was a sign for the people of Israel. Que tout le peuple d'Israël devait observer ce jour-là pour montrer que c'est un peuple à part, qu'ils ont un jour pour adorer leur Dieu. That all the people of Israel came to demonstrate, to show that they are a people apart, that they have a day to serve their God. Avant le sabbat, before the Sabbath, il y avait la circoncision. There was circumcision. La circoncision est un signe. The circumcision was a sign par lequel on devait reconnaître tous les enfants d'Abraham. Abraham. In which all the children of Israel, Abraham, were to be acknowledged. Maintenant, quand Jésus est venu, now when Jesus came, il a dit, he said, pour vous les disciples, for you the disciples, le signe par lequel on va vous reconnaître, the sign through which you will be acknowledged, c'est l'amour fraternel, is brotherly love. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. To this all will know that you are my disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. If you have love the ones for the others. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean enseigne que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un mort. Tu n'as jamais vécu même en Christ. That's why Apostle John says that if you don't love your brother, you are dead, you are not a brother. Un frère qui n'aime pas les frères, c'est un cadavre. A brother who doesn't love the other brothers is a dead body. C'est pire qu'un enfant d'Abraham qui n'est pas circoncis. It's worse than a child of Abraham who is not circumcised. C'est pire qu'un Israélite qui viole le sabbat. It's worse than an Israelite that breaks the Sabbath. Si tu travailles tous les jours, if you work every day, comme les sacrificateurs dans le temple travaillent tous les jours, as the priests in the temple work every day, et tu aimes les frères, and you love the brethren, tu vas aller au ciel. You'll go to heaven. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et allez méditer. Comment les gens peuvent-ils dire que la loi est finie? Quand Dieu dit, je veux vous donner mon esprit pour qu'il vous aide à observer ma loi et mes ordonnances. C'est écrit clairement dans la Bible. Go and meditate. How can we say that the law is finished when God says that I'm going to give you my spirit so that you can observe the law? C'est comme si tu veux dire que l'évangélisation du monde est finie. It's just as if you want to say that the evangelization of the world is over. Alors que Jésus a dit, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Whereas Jesus said that the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses. Si nous n'évangélisons pas, if you don't evangelize, c'est une trahison, c'est la désobéissance. It's a treason, it's disobedience. Le Saint-Esprit est venu, the Holy Spirit came, pour se tenir avec nous, to stand with us, pour rendre témoignage, to testify. Mais mettons Dieu à l'épreuve. Let us test God. Ne discutez pas. Do not argue avec les incrédules. With unbelieving people. Quelqu'un te dit,
Somebody tell you. C'est la loi. This is law. Dis-lui this is the law. J'ai reçu le Saint-Esprit. Tells him that I received the Holy Spirit. Pour observer la loi et la mettre en pratique. To observe the law and put it in practice. Tu lui dis que c'est dans Ézéchiel chapitre 36 versets 26 et 27. It's written in Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu dit que quand nous allons obéir, God says that when we obey, il va menacer tous ceux qui viennent troubler nos finances. He will threaten all those who come and trouble our finances. Il dit pour vous, he said for you, je menacerai celui qui dévore. I will rebuke the devourer, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. So that he will not destroy the fruit of your ground. Dieu prend l'engagement. God takes the commitment. Il y a des gens ici, ils déposent l'argent, quand ils reviennent, c'est perdu. Ils déposent l'argent, ils reviennent, c'est la moitié. There are people who put the money somewhere, they come back, it has disappeared or it is half left. Donne ta dîme. Give your tithe. Je vais payer avant de partir. 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 Oh Jésus, je vais payer avant de partir. Je vais payer avant de partir. Je ne retournerai pas avec, Seigneur. Je vais payer avant de partir. Oh Seigneur, merci, merci de m'avoir interpellé. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oui, fais comme lui. Do like him. Je t'ai volé, je reconnais que je suis une voleuse. Père, aie pitié de moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Oh Père, aie pitié de moi, aie pitié, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prends l'engagement de payer ma dîme fidèlement. Oh Seigneur, de contribuer à l'avancement de ton œuvre en te donnant, Seigneur, suffisamment comme tu me donnes. Oh Père éternel, attends mes cris, exauce-moi, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, exauce-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te demande pardon. Je suis une voleuse, Seigneur. Tu me donnes, je ne te donne pas aussi. Je vole. Je suis une voleuse, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais recommencer à zéro. À paix, ma dîme maintenant. Oh, Dieu tout-puissant. Dieu de gloire, miséricordieux. Tu m'as dévoilé. Tu m'as dévoilé. Je t'ai caché. Tu m'as dévoilé. Je te demande pardon. Pardon, prends-moi. Mon Seigneur, prends-moi. Mon Seigneur, ne me laisse pas. Prends-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est qu'est-ce qui peut mener, frère, à garder par devant lui-même ce qu'il te doit, attirant ici la malédiction. Seigneur, viens à nos secours. Seigneur, s'il te plaît, viens à nos secours. Seigneur, je supplie ta grâce. Délivre nos cœurs de la cupidité. Montre-nous l'horreur de la cupidité. Oh Seigneur, c'est encore pire que les malédictions que nous avons héritées de nos pères. Parce que c'est nous-mêmes qui nous maudissons. C'est nous-mêmes qui attirons la malédiction sur nous. Je prie, Seigneur, que tu visites chaque cœur, chaque pensée. Que chacun soit troublé au-dedans de lui-même. Oh, ce genre même d'enseignement devait même pas être donné au milieu de nous.
Oh Seigneur, je prie que tu aies pitié de nous et que tu nous ramènes à ce qui est juste, ce qui est bon devant toi. Seigneur, je prie que tu nous délivres de la cupidité. Délivre chacun de nous. Ramène-nous, oh s'il te plaît, afin que les bénédictions que nous sommes allés arracher, oh Seigneur, tu sais quoi, soient effectivement déversées dans nos vies. Seigneur, que nous voyons cela se réaliser dans nos vies. Je supplie ta grâce. Agis, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Prions ensemble. Merci. Proverbe 3, verset 9 et 10. Proverbe 3, reading from verse 9 to 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim with new wine. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Honore l'Éternel avec tes biens. Honor the Lord with your possessions. Et avec les prémices de tout ton revenu. And with the first fruits of all your increase. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. So your barns will be filled with plenty. Et les cuves regorgeront de mou. And your vats will overflow with wine. C'est une autre porte de bénédiction. There's a blessing here. Au-delà de dîmes et offrandes. Beyond the types of offerings. Va au-delà de dîmes et offrandes. Go beyond the types and the offerings. Honore l'Éternel avec tes biens, Honor the Lord with your possessions. Ajoute même les prémices. You should even add first fruits. Tu as un champ. You have a farm. Viens donner les premiers fruits. Come and give the first fruits. Tu as un salaire. You have a wage. On t'a recruté quelque part. You've been recruited somewhere. Viens honorer le Seigneur avec les prémices. Come and honor the Lord with the first fruits. Tu vas connaître l'abondance. You will experience abundance. Il y a des bénédictions que Dieu donne à ceux qui obéissent à la parole. There are blessings that God gives to those who obey the word. Certains sont bloqués. Some are blocked parce qu'ils n'ont pas obéi à cette parole. Because they did not obey this word. Tu honores Dieu avec les cantiques, c'est bon. You honor God with the hymns, it's good. Tu l'honores avec les actions de grâce. You honor him with thanksgivings. It's good. C'est bon. It's good. Chaque sacrement a ses vertus. Each service that you do has its virtues. Essaye aussi. Also try. De mettre tes prémices. To give the first fruit. Essaye. Try. De mettre tes biens. To put your possessions in it. Tu verras ce que ça va produire. You will see that which it will produce. Tu vas expérimenter une autre dimension. You will experience another dimension. Peut-être que pour manger chez toi, tu luttes. Maybe in your house. Tu te bats. For you to eat, you struggle. Tu te débrouilles. You try. Bientôt. Very soon. Tu vas manger sans lutter. You will eat without struggling. Parce qu'il y a l'abondance. Because there is abundance. Peut-être tu manges, c'est bien, tu manges, tu ne dors pas affamé. Maybe you don't sleep empty stomach. You eat, it's good. Mais tu ne peux pas varier. Tu ne peux pas choisir autre chose. But you cannot choose other things. Garba, 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 garba. Only garba, garba. Mais tu te portes bien. But you are doing mais well. Ce que Dieu te promet là. But what that which God promises you. Tu vas choisir. You will tu vas dire aujourd'hui c'est le poulet, c'est le mouton. Today it is a chicken, it's the Jésus-Christ. Jesus.
C'est ça, ça va s'accomplir. It will be accomplished. Tu vas choisir. You will choose. Tu vas passer des commandes. You will make orders. Le frère Adoni en sait quelque chose. Brother Adoni knows something about that. Quand Jésus l'a délivré. When Jesus delivered him. Il y avait 12 poulets. There were 12 chickens. Sans compter les autres choses. Without counting, without the other things. Un frère disait que depuis que Jésus l'a touché. A brother said that since Jesus touched him. Il ne manque plus de monnaie dans ses poches. Il ne manque plus de monnaie. He never lacked some coins in his pocket. Il dit qu'avant il n'y avait rien. He said in the past there was nothing. Un grand professeur de philosophie. Now, a great teacher of philosophy. Il était un professeur de philo. He was a teacher of philosophy. Mais les poches vides, vides. Empty pocket. Mais quand Jésus est entré, but when Jesus entered, il y avait toujours quelque chose. There was always something. Vous voyez, André entend ça, il sourit. Si tu vérifies, c'est aussi son histoire. You see, brother Andrew hears this and he's smiling. If you check it well, it's also his story. Jésus Christ. Jesus Christ. Luc chapitre 12. Luke chapter 12. 31 à 34. 31 to 34. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. L'argent, money, peut montrer aux gens, can show people, là où se trouve ton cœur, where your heart is, sans ta volonté, without your will. Tu penses qu'on ne te connaît pas. You may think that you are not known. Mais on étudie comment l'argent circule dans tes poches. But we can study how money moves in your pockets. Et on peut discerner si tu aimes Dieu. We can discern if you si love tu God, aimes le monde. Or if you love the world. Là où tu mets ton argent, where you put your money, c'est là-bas que se trouve ton cœur. It is there that your heart can be found. Là où tu investis ton argent, the place where you invest your money, c'est là ton Dieu. Is there your God? C'est là ton royaume. There is your kingdom. Même si tu chantes le contraire, even if you sing the contrary, pour Jésus, for Jesus, on doit vivre dans l'assurance. We must live in assurance. On ne doit pas trembler. We must not shake. On ne doit pas craindre la vie. We must not fear life. On ne doit pas dire si je donne, je veux manger quoi. You must not put yourself the question, what am I going to, if I give, what am I going to eat? Pour Jésus, for Jesus, l'œuvre de Dieu ne doit pas souffrir. The work of God must not suffer. Parce que en réalité, because in fact, l'œuvre de Dieu, the work of God, est notre œuvre, is our work. Il a fait de nous des co-ouvriers. He has made of us co-workers. Nous ne travaillons pas pour lui. We don't work for him. Nous travaillons avec lui. We work with him. Lui-même est engagé dedans. He himself is committed in it. L'apôtre Paul dit, Apostle Paul said, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. We are co-workers with Jesus. With et il God. Dit, nous prenons donc des dispositions pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas blâmée. And he said that we must take disposal so that the work of God will not be blamed. Il ne faut pas que Dieu regrette d'avoir fait de nous des co-ouvriers. God should not regret to have made of us co-workers. De nous avoir permis de participer à ce grand bonheur éternel. For having made, let us take part in that work. Nous sommes ouvriers avec lui. We are co-workers with him. Pour Jésus. For Jesus. Vends. Sell. Ce que tu as. That which you possess. Fais l'œuvre de Dieu avec. And do the work of God with it. Pour Jésus. For Jesus. Si tu ne devrais même pas dire que tu n'as pas l'argent. You should not even say that you don't have money.
Vendez ce que vous possédez. Sell that which you possess. Et c'est son évangile. And it is his gospel. Il a dit au jeune homme riche. He said to the rich young man, tu veux me suivre? You want to follow me? Ce que tu as déjà fait est bien. What you have already done is good. Mais si tu veux être parfait, but if you want to be perfect, va vendre tout ce que tu possèdes. Go sell all your possessions. Tu distribues l'argent aux pauvres. And you give the money to et the poor. Tu viens. You come. On va aller prêcher l'évangile. And we go preach to preach the gospel. La parole de Dieu dit. The word of God says. Ce jeune homme est rentré tout triste. That young man was going back home very sad. Parce qu'il avait de grands biens. Because he possessed great things. Il a échoué. He failed. La parole dit. The word says, honore l'Éternel avec tes biens. Honor the Lord with your possessions. Il n'a pas pu. He couldn't. Il est tombé. He fell. Il est rentré triste. He went back home. Parce que quand on n'obéit pas, because when you don't obey, on devient triste. You become sad. Triste. Sad. Si Dieu a parlé à quelqu'un ce soir, if God has spoken to somebody this evening, si la personne a déjà obéi. If the person has already obeyed, si la personne a déjà décidé d'aller obéir, if the person has already decided to go, il y a déjà la joie en la personne. There's already joy in that person. Il y a déjà l'allégresse en elle. There's already joy in that person. Mais si la personne a encore le cœur endurci, but if the heart of that person is still hardened, la personne a déjà perdu la joie. The person has already lost joy. Il a déjà perdu la joie. He has lost joy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc que les anciens qui restent. So let the elders who remain here restore toute l'église. Restore the entire church. Dans les dons à Dieu. In a gift to God. La nation toute entière. The entire nation. Ne te réjouis pas parce que toi tu donnes. Do not rejoice because you give. C'est une affaire de nation. Il dit ma maison ne doit pas manquer de nourriture. Ce n'est pas une affaire des individus. It's a matter of the nation. He says, my house should not lack food. Il s'agit de rendre la maison de Dieu riche. The matter, the question is to make the house of God rich. Avec les biens terrestres. With your earthly possessions. Lis encore le verset 32. Luc. Read verse 32 again. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Écoutez bien. Listen carefully. Vas-y. Vendez ce que vous possédez. Vendez ce que vous possédez. Sell what you have. Et donnez-le en aumône. Et donnez-le en aumône. And give alms. Faites-vous des bourses. Faites-vous des bourses. Provide yourself money bags. Qui ne s'usent point. Faites-vous des bourses, faites des économies au ciel. Make economies, savings in heaven. Là où il n'y a pas de voleurs, pas de teint, pas de rouille. Where there is no moth. Là où le voleur ne peut pas voler. There the thief cannot steal. Mais il dit d'abord, ne crains point. Ça veut dire que quoi? Quand tu es craintif, tu ne peux pas adorer Dieu avec tes biens. He first says, do not fear. What does it mean? When you are fearful, you cannot serve God with your possessions. La pensée mondaine, the worldly thought, veut qu'on croit que le matérialisme est un salut, est un messie. Veut qu'on croit que le matérialisme peut sauver. The worldly thought wants people to believe that materialism can save. T'entourer d'une sécurité matérielle, financière, tu penses que c'est le bonheur. La Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. The Bible says that the life of a man does not depend on his possession, though he lives in abundance. Donne, give, et sois béni, and be blessed. Commence maintenant. Start now. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Ceux qui devaient donner avant de rentrer là, venez donner rapidement. Those who were to give before going rien, back, vous avez déjà vaincu. Come déjà. And give. Do not fear anything. We have already overcome the devil. Prions. Let us pray.